Yo les gens, c'est Selmo, bienvenue sur ma... ma chaîne YouTube, pardon, je suis un peu malade. Bon, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les frérots. Aujourd'hui, les gars, je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Donc avant, j'étais un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Donc je me suis arrêté à la période synchro, 5DS, entre guillemets, on va dire. Donc là, j'ai une envie de reprendre, donc je sais pas si c'est la nostalgie ou je sais pas, mais j'ai envie de... Je sais pas, j'ai une bouffée de Yu-Gi-Oh! En ce moment, donc voilà. Donc je me suis fait un petit plaisir, donc je me suis acheté ce coffret-là. Donc on va ouvrir tout de suite, mais avant on va voir ce qu'il y a dedans. Alors dans ce coffret là, t'as 6 boosters de 6 boosters, le pouvoir du duel par boîte, ok. 6 cartes ultra rares. Je pense que t'as les cartes des héroïques là, tu sais, Magicien de Ténèbres, Néos, etc. Un tapis de jeu, enfin un plateau, ouais, un tapis quoi. Et voilà. Donc on va ouvrir ça vite avec vous, parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a et j'espère dropper du lourd. Donc je joue ça avec vous. Ah, aujourd'hui les frérots, c'est pas du Tsubasa. Tsubasa en ce moment, je vais pas faire la fine bouche, mais voilà quoi. Y a pas, c'est pas ouf ouf. J'ai invoqué vite fait sur le Dream Collection, je me suis écharpé, donc voilà. Donc hop. Voilà. Ok, là on a le tapis de jeu. Ouh, en carton, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah, je préfère en carton qu'en papier. Bon, voilà. Carton. Franchement, du carton propre, solide. Donc ça peut dépanner en cas de tournoi ou quoi. Faire des duels avec ton copain. Donc là, on a Magicien de Ténèbres. On a les cartes ultra rares. D'accord. Ok, on va voir ça vite fait. Alors, on a Magicien des Ténèbres. Neos Elemental Hero. Neos. Stardust Dragon, numéro 39 Utopie. Je me suis arrêté vers voilà, pile où c'était Yu-Gi-Oh! XL. Donc je sais pas si ça. Le flou, peut-être, je sais pas. Ça. Ok, on a un Drago Pendule. Et on a. Comment il s'appelle? Décodeur Bavard. Ok, je connais pas. Franchement, on va. J'ai un pote à moi qui est. Je l'appelle Seto Kaiba parce qu'il a tout le mec. Je vais me renseigner s'il peut m'apprendre un peu à jouer avec les machins Link etc. Donc là on a les 6 boosters. Donc c'est des boosters de 5 cartes. Ok. Booster de 5 cartes, ok. Tac tac tac. Amstrad Ram, piqué piqué Pokélev. Allez, on choisit ça. Allez, c'est parti. Premier booster. Ok. Ok. Oula, 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 attendez, 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 attendez. Alors, on découvre avec vous. On a. Je sais pas comment il s'appelle. Dragon. Chargo. Bornel. C'est quoi ces lions, ces noms-là. Bon, bref, on a un Link. On a quoi déjà? Attends. Ok, ça c'est pour le deck fourreur, ok. Je vois mal. On a un héros élémentaire, ok, c'est parti. Oh, pas mal, franchement elle est belle la carte. On a tourne. Comment il s'appelle? Tournevis gaucher. Ok. Oula. Et on a dragon, photon, armure complète aux yeux galactiques. Ouh, elle a l'air. Franchement, elle est stylée. Elle est stylée. Franchement, nickel la carte. Donc ok. En fait, c'est que des cartes brillantes dedans. Enfin, je crois que c'est des ultras et des rares. Oh, je crois que c'est des ultras. Ok, premier booster. Deuxième booster. Alors, on a. Que je vois pas d'ici. Ogre fantôme et lapin des neiges. Ok. Après, je vais lire les effets tout seul, donc, tranquille. Ensuite, on a trône séraphin étoile. Ok. Ça, c'est un héros élémentaire, non? Ah non, non. C'est Homo. Hein? Onomatopée. C'est quoi les noms? Je te jure. Utopique, ok. Ouais, pourquoi pas. On a ensuite Dragostapelia. Wow. Putain, elle est non, wesh. Allez, je veux pas être méchant, mais ouais, le mec qui trouve des noms, il est soucé, frère. Ensuite, on a Dragon Booster. Ok. Ok. C'est parti. Alors là, on a ouvert 2, 3.
Je vous le dis les gars, moi là-bas je joue deck L noir. Donc L noir c'est le sang de la veine, je kiffe. Je suis toujours resté L noir malgré qu'il y ait plein de decks qui sont forts, mais je suis resté L noir. Ok, on a conductrice marionnette de l'ombre. Ok. Attaque double héros. Ok, une carte magie rapide. Ensuite on a échangeur tactique. Ok. Soldat galactique. Ok. Et Nécrose de Brionnec. Ah, je crois que cette carte à un moment était pas assez, elle était recherchée, non? Je crois, hein. Nécrose de Brionnec. Dragon Brionnec aussi, à un moment c'était cheaté à l'époque. Tu défaussais une carte et tu virais une carte du terrain adversaire. C'était très 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 fort à l'époque. Après, je sais pas si je crois qu'ils ont, il me semble qu'ils ont changé l'effet. Mais c'était trop fort. Ensuite, on a Crowley, le premier prophète voyant. Ok, un link, magicien. Cercle magique sombre. Ok. Forme du chaos. C'est des cartes que, franchement, pour l'instant, je connais pas parce que ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai arrêté. Mais en lisant les effets, ça va me revenir. Gadgetor et Gadget d'argent. Ok. Ok, on a les gadgets d'or et gadgets d'argent. Ok, c'est parti. Bah, franchement, ouais. On va voir ce que ça vaut après en effet. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des cartes que vous recherchez ou quoi. Ouais, s'il y a des cartes qui vous intéressent. Alors, on pourra faire des échanges. C'est qui ça? Don Oli. Quoi? J'ai un. Je sais pas. Franchement, les noms, ils sont. Wesh. Oh, ok. Je vais dire don parce que ça va me prendre la tête. Ah, cette carte-là. Sceau de la rose. C'était pas dans le deck Black Rose à l'époque quand c'était sorti ça. Deck Titanial et tout. Ah là là, à l'époque. Ah, on a eu encore un des. Un Gadgetor. Argent, pardon. Tac, tac, tac. On a Kaleidoscope Nécrose. Ok. Franchement, une carte rituelle. Pour activer une carte rituelle. Et on a Beauté Fantôme. Et manoir hanté. Ok. Bon les gars, la qualité elle est pas ouf parce que je suis mec moi en webcam. Mais je vais peut-être investir dans une caméra. On verra. Ça peut servir. Bon les gars, on est sur le dernier booster. Alors là, on a un gadget, ouais, un gadget platine en link. Ok. Ensuite, qui tout double. Qui tout double, ouais, peut-être comme ça, ouais. C'est quoi ça? Fusion miraculeuse. Ah, ça c'est pour les héros élémentaires. Ok, c'est pour les fusions héros élémentaires. Franchement, ok. Je m'en rappelle de cette carte. Ensuite, âme éternelle. Ok. Et cercle magique sombre. Ok. Ok, les frérots. Donc, on va faire une petite récap de toutes les cartes qu'on a eues. J'ai eu tac 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 double bon, comment il s'appelle? Dragon char comment? Dragon Charco Borderel, ok. Dragon Char Borderel de mes couilles là, je sais pas comment il s'appelle. Beauté fantôme et manoir hanté, ok. Ensuite on a eu Kaleidoscope Nécrose, Gadget Argent. On a eu Sceau de la Rose. On a eu Don, je vais dire Don parce que son nom il prend la tête. Gadget Or, Gadget Argent. On a eu ensuite encore Forme du Chaos. Tac tac tac, Cercle Magique Sombre, ok. Le premier prophète voyant, ok. On a eu aussi, comment il s'appelle lui? J'oublie. J'ai oublié de retourner les cartes parce que les noms. Nécrose de Brionnac. Voilà. Lui c'est Soldat Galactique. Ok. Ça marche. Échangeur tactique. Tac 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 tac. Merde. Attaque le double héros. Constructeur marionnette de l'ombre. Dragon booster. Dragon Spépé Telia, je sais pas quoi.
Utopique, onomatopée, utopique. Eh, les noms, je te jure. Le mec qui fait les noms des cartes, il est fort. Attends. Trône, séraphin, étoile. Ogre, fantôme, lapin des neiges. Dragon, photon, armure complète aux yeux galactiques. Franchement, cette carte-là, je la kiffe. Elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez là, mais. Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Tac. Ensuite, on a eu tournevis gaucher. Grand fusion, héros élémentaire. Je vais voir ce qu'elle vaut cette carte-là. Patchwork, fourrure. Ça, on l'a lancé. Âme éternelle. Ensuite, on a eu fusion miraculeuse. Kit double. Gadget platine. Ok, les frérots. Donc, on a eu peut-être des. Enfin, je connais pas encore les effets, mais je vais les lire après. Donc, là, c'est une reprise pour moi. Donc, je suis un peu paumé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner à la chaîne. Et je pense qu'il y aura assez de contenu. Enfin, il y aura plus aussi de contenu de ce genre-là. De pack opening Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et surtout du Tsubasa aussi, on reste sur du Tsubasa, mais de temps en temps, je vais faire des petites vidéos pack opening. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!